Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous on va se retrouver pour ce nouveau duel Quinté Week-end. Hein. Comme vous le savez maintenant, ça devient une petite habitude, c'est-à-dire que voilà, je parle à quelqu'un et on fait un petit duel des trois Quintés le vendredi, samedi, dimanche. Chacun donne une base et son outsider. Et celui qui gagne, bien sûr, c'est les meilleurs classements des deux chevaux donnés. Voilà. Donc cette semaine, on va retrouver Rémi. Voilà. Donc je reprends un peu. Un peu les mêmes que la dernière fois. Donc j'avais pris un peu Flambeau, là j'ai pris Coucou. Et là je vais prendre Rémi, où je dois reprendre la revanche. Parce qu'il m'avait battu 2-1 la dernière fois. C'était un beau duel. De belles luttes. Donc là, maintenant, j'espère que cette fois-ci, la roue va tourner à ma faveur. Et on va commencer avec ce qui a été de vendredi. Peu de partants, mais où tout peut arriver. Voilà. Sur le piste des 2100 mètres. Nous, les amis, on va pas perdre de temps. On va écouter de suite Rémi pour sa base et son outsider. Et salut à tous, on se retrouve hein, pour un voilà pour une confrontation en trois duels face à Mika, que je remercie une nouvelle fois hein, de m'avoir proposé, c'est toujours un plaisir. Alors bon, la dernière fois j'avais gagné 2-1, bon, on va dire pas trop à la régulière, hein, ça avait été un duel haché à la fin à Auteuil. Mais bon, j'avais quand même gagné, j'espère que ce sera encore le cas, même si là j'ai vu il y a quand même deux quintés, donc ce vendredi et ce samedi à Vincennes et un à Longchamp. Moi je suis quand même plus spécialiste du plat de l'obstacle, donc déjà Mika paraît avec un avantage au niveau des types de courses. Donc on va démarrer ce vendredi avec un quinté donc nocturne à Vincennes comme c'est souvent le cas le vendredi, donc une course D, voilà, des concurrents plutôt quand même bons, on va pas se mentir, mais voilà, c'est pas non plus des foot de guerre. 2100 mètres auto start, malheureusement comme c'est souvent le cas, pas beaucoup de partants, 13. Donc voilà, donc pour mon favori j'ai longuement hésité entre bon, pour l'outsider je l'avais choisi, mais pour le favori j'ai longuement hésité entre le numéro 8 Hamilton Duham et le numéro 12 Heart of Glass. J'ai finalement choisi Heart of Glass au numéro 12. Alors j'expliquais pourquoi j'ai pas pris rapidement le 8 Hamilton Duham, tout simplement parce que je trouve que ces dernières performances sont un peu en trompe-l'œil, parce que certes c'était très bien à plusieurs fois, à plusieurs reprises les dernières fois. Mais je trouve qu'à chaque fois il était vraiment couru, battu. Et donc du coup forcément quand c'est comme ça c'est quand même plus simple de revenir puisqu'on fait rien du parcours. Et moi j'ai souvenir de son avant-dernière sortie où je l'avais joué là où il finit troisième sur ce parcours des 2100 mètres où vraiment il a eu le meilleur des parcours dans le dos des premiers, vraiment il avait plus qu'à gicler. Et au moment où il devait gicler dans la phase finale pour vraiment pouvoir l'emporter, il a un peu resté là, il a fini troisième. Donc c'est pour ça que j'ai pas retenu Hamilton Duham en favori, même si ça va être une bonne chance et que ça va sûrement être le favori. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que voilà, c'est pas forcément, faut vraiment que tout se passe bien, il a le 8 à l'autostart. Donc je sais pas, puis bon, je vais pas vous mentir, je suis pas un grand fan de Pierre Vercruis. Donc voilà, j'ai préféré prendre le numéro 12, Heart of Glass, en favori, et pourtant ça va être une très grosse cote. Bon, vous commencez à me connaître, j'aime bien l'outsider. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il reste sur deux victoires très faciles à Cannes-sur-Mer. Que son entourage, donc la famille Martens, ne se déplace que pour une seule confrontation ce vendredi à Vincennes, puisque le lendemain ils seront à Lyon-Paris, ils viennent que pour Heart of Glass en région parisienne ce vendredi, et j'aime beaucoup quand les Martens se déplacent une seule fois à Vincennes. Ça avait été le cas avec Déco Tilou il y a quelques semaines qui s'était baladé dans un quintet et qui se déplaçait que pour lui. Donc voilà, j'aime bien, sachant qu'il n'a pas forcément l'un des meilleurs chronos sur le parcours. Parce qu'il y a couru qu'une seule fois et il s'y était baladé, donc il n'avait pas eu besoin d'appuyer forcément sur l'accélérateur. Il avait trotté une 13 alors que certains ont trotté une 12, hein, comme Hamilton Duham. Mais il s'était vraiment baladé. Bon, il a le 12. Il a le 12 et un autostart. Il va partir derrière Harry de Sacy. C'est pas forcément quelque chose de mauvais parce que c'est quand même une bonne chance, Harry de Sacy. Donc j'y crois. Martin se dit que voilà, malgré le 12, il se voit dans les 5. Donc je pense que forcément qu'il se voit dans les 5 puisqu'il se déplace que pour celle-là. Donc voilà, je pense qu'il reste sur deux victoires à Cannes-sur-Mer. Voilà, il a déjà avalé la montée de Vincennes. Voilà, Heart of Glass, ça peut être pas mal. Martin, s'il arrive à bien préserver sa pointe de vitesse finale, ou peut-être qu'il va partir fort et essayer de faufiler pour partir dans les premiers, je ne sais pas comment ça se passait. En tout cas, je prends un risque avec le 12e autostart pour mon favori et en prenant pas celui qui va
Mika, je pense qu'il va prendre le 8 Hamilton Jam, du coup, comme je lui laisse le favori. Mais je vous dis, je suis pas si confiant que ça avec Hamilton Jam, donc j'ai préféré prendre en favori le numéro 12, Heart of Glass. Et en outsider, je prends Hello de Jagi, ou Jagui, je sais pas trop comment on dit. Donc ce numéro 9, Hello Jagi, puisque l'avant-dernière fois, quand il avait été déféré sur ce parcours, il s'était baladé alors qu'il avait trotté nez au vent tout le parcours. Alors quand on trotte nez au vent tout le parcours sur 2100 mètres à Vincennes et qu'on gagne tout seul, je pense qu'on a du potentiel. La dernière fois, il a fait une dixième sans démériter, il était ferré lourd des quatre. Antonio Ripoll, Rigo, j'adore cet entraîneur et il a clairement dit que c'était un objectif. Alors il était clairement confiant pour la gagne, il l'a clairement dit. Sauf que le cheval a eu un souci de crevasse, donc il a pu moins s'entraîner. Et en plus, il a 9 lotto start. Alors il a dit que sans ces deux petits pépins, il se voyait gagner. Et là, il se voit plus pour une petite place. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis favori, j'ai mis plutôt outsider. Ce numéro 9, Hello de Jagi, mais sinon voilà, Mathieu Verval le connaît par cœur. Jugé sur ce qu'il a fait l'avant-dernière fois, c'est vraiment une belle chance. Donc voilà, le 9 à l'autostart, il lui a un petit souci de santé, c'est pour ça que je le mets plus en outsider. Mais sinon, c'est dommage, hein, parce que vraiment, sans souci de santé avec un bon numéro, c'était limite le penalty. Bon. Donc voilà, mon favori, le numéro 12, Heart of Glass, et mon outsider, le numéro 9, Hello Jagi. Donc des chevaux qui ont des numéros délicats, qui seront des belles cotes. Donc je prends déjà un risque, malgré le fait que je parle pas forcément en favori avec l'attelé qui se profile pour ces duels. Et bon, on s'amuse, c'est toujours un plaisir de passer chez Mika, et je vous embrasse tous. Allez, bye bye. Donc, on vient d'entendre Rémi qui nous a pris en base ce 12, Heart of Gold, voilà, qui est confiant. Ses arguments se tiennent, voilà, la seule monte de Martens. Martens qui dit qu'il est confiant. Numéro 12, pas toujours simple. Voilà, donc au niveau Vincennes, je crois qu'il avait bien fait dans la grande et petite piste. Donc demain, ce sera que la grande piste, donc il faudra faire attention. Il avait aussi trotté sur un parcours des 2850 mètres, un chrono de 1,15, 1,15 et quelques. Et quand on sait qu'il y a des chevaux comme ce 3, Arasasi, qui a trotté déjà 1,13,8, je crois, sur ce 2850 mètres. Donc attention, il a pris un outsider en base, donc bravo à lui. De toute façon, il faut prendre des risques. Donc bravo. Et après en outsider, il a pris le 9, Hello Jagi. Là aussi, hein, un numéro pas évident, un numéro piège, un numéro 9. Donc voilà, d'autant que comme il a dit, le cheval est un peu souffroteux au niveau des pieds. Je crois qu'il a des crevasses. Dernier boulot de l'entraîneur a dit qu'il était correct, qu'il était souple. Je crois qu'il avait le dernier boulot, je crois que c'était ce matin même. Et s'il n'aurait pas trouvé souple, je crois qu'il aurait mis non partant. Mais bon, il se voit dans les 5 ou 6. Donc attention, hein, voilà, deux chevaux où les entraîneurs se voient dans les 5. Souvent derrière, quand ça dit ça, malheureusement, les ondes, on verra demain. Donc demain, les deux chevaux pour Rémi, c'est le 12 et le 9. Pour ma part, on va les prendre, ben, comme il a dit Rémi, hein, je vais réinventer, je vais prendre ce 8 à Hamilton Duham, même si, voilà, s'il n'aime pas Pierrot, moi je l'adore, Pierrot, hein, Pierre Vercruz, je l'appelle toujours le druide, voilà, le druide, parce que c'est un des seuls encore qui reste un peu à driver, qu'on voit un peu plus dans les qualités à driver, parce que ce soit Pierre Lévêque ou Thierry Duval d'Estaing, voilà, un peu, on va dire, c'est. Ces personnes qu'on connaît un peu là, Pierre Vercruz dans les quintés toujours là. Faut pas que ce soit Cagnes-sur-Mer ou même ailleurs, il rentre toujours à belle cote. Là attention, le cheval sera un des favoris et pour cause. Il est en forme et vient de nous faire un bon troisième dans un quinté sur les 2700 mètres en trottant une 13-4 en faisant une belle fin de course. Voilà. Certes, il aura le numéro 8. Mais bon, il a déjà gagné ce parcours, entre-temps une 12, je crois que c'est l'un des meilleurs chronos du parcours. Le lot, comme j'ai dit, n'est pas fameux, 13 partants, donc qui dit 13 partants, peut-être que Pierrot il peut déjà bien le placer. On verra demain. Mais pour moi, ça me semble un peu sa course. Hein. Voilà, ça me semble un peu sa course, d'autant que le dernier travail, comme il dit son entraîneur, à la mer et en étant déféré des 4, parce qu'ils l'ont déféré des 4.
Bon, demain, il ne sera pas défaire des cartes, mais vu qu'à la mer, c'est pas pareil, hein, c'est le sable, il y a du. Voilà. Donc, le travail, il a dit qu'il volait le cheval. Donc, bon, je vais faire confiance quand même à l'entraîneur et je vais jouer ce 8 pour ma base. Et mon coup de cœur, j'aime bien ben, ce 5 Afeilou. Hein. Voilà, c'est un cheval que j'ai repéré depuis longtemps, que j'aime bien le jouer. Confié à un driver que j'adore, Tony Le Belair. Donc, Afeilou, comme je vous ai dit la dernière fois, elle avait couru. Une course similaire sur les 2100 mètres. C'était pas si longtemps que ça, hein. C'était le 1er avril. Et je pense que c'était pour préparer ce quintet-là. C'est un cheval qui a déjà bien fait sur le parcours. Hein. Bon deuxième, une 12-7. Auparavant, sur les 2850 mètres, il avait fait bon troisième. Après, dans un quintet, il est ferré des 4 et était disqualifié. Il était en vue à 8 contre 1, je crois, avec déjà Tony Le Belair. Mais bon, là, comme j'ai dit, Afeilou, bon petit code outsider, sera en mode course, a tiré le. Il n'a pas tiré, mais il a un bon numéro derrière la voiture, le numéro 5, sera en mode course. Hein. Cette fois-ci, sera déféré des postérieurs, comme j'ai dit, il aura ses œillères descendantes. Je pense que l'entourage, s'il ne le voit pas finir dans les 5, seront très déçus, parce que c'est vraiment une belle course pour eux. Donc voilà. Donc demain, les deux chevaux, le 8, Hamilton Duham. La base et l'outsider, le 5, a fait nous. Voilà, en espérant de prendre déjà le premier point et garder cette avance. Donc, on verra ça demain, les amis. Moi, comme d'habitude, je vous dis ben, bon jeu, bon pronostic, bonne chance à Rémi. Adieu!